Les gestes se répètent jour après jour. Ce Molenbeekois récupère ce matin quelques denrées alimentaires, des dons collectés par les équipes de cette ASBL. La farine, des biscuits, des haricots et autres, donc petits pois et carottes, etc. En parallèle, il y a aussi des aliments frais. Chaque mois, la Porte Verte distribue 260 colis aux Molenbeekois précarisés, soit 170 tonnes de vivres chaque année. Et cela face à une précarité en hausse constante dans la commune. On la ressent particulièrement au niveau des permanences sociales où on a du mal à faire face à l'afflux de personnes et également au niveau de l'augmentation du nombre de colis alimentaires et une demande importante au niveau des colis. Alexandre est l'assistant social de la Porte Verte. Dans son bureau, il analyse les dossiers et voit le défilé des profils de plus en plus diversifiés. Avant, on était plutôt à 60% de personnes sans ressources et 40% de personnes avec ressources. Mais sur les 3-4 dernières années, le switch est fait. Donc là, maintenant, on est vraiment passé à 60% des personnes avec revenus qui viennent chercher des colis alimentaires. Donc oui, c'est quelque chose qui se remarque aussi dans les chiffres. Autre quartier, autre association. Ici, les citoyens du partage, près de Belgica, avec des denrées par milliers pour nourrir 8000 personnes chaque mois à travers toute la région. Ici aussi, on voit exploser la précarité, et cela encore très récemment. On a vu pas mal de gens s'inscrire pendant les vacances. Et franchement, 1000 personnes en espace de 2 mois. Quoi. Parce que la majorité des gens qui viennent ici n'ont pas de revenus. Donc voilà, ils ont le CPS, mais ils n'arrivent pas à arriver dans les deux bouts. Et même quand une personne elle travaille, qu'elle est papa ou maman monoparentale, elle n'arrive pas au fin de mois. Parce que le loyer coûte très très cher et la vie coûte cher. Malgré tout, avec le taux de chômage le plus élevé de la région, l'une des pistes de sortie de la précarité à Molenbeek reste bel et bien la mise à l'emploi. Quand on analyse le taux d'activité ou le taux de chômage, il est nettement plus faible qu'ailleurs. Par exemple, on a 47% de la population active, potentiellement active entre 18 et 64 ans, qui est sans emploi. Alors le taux de chômage avoisine les 30%, 23%, mais 30% pour les jeunes entre 18 et 24 ans, avec certains pics dans certains quartiers à 50%. Alors comment mettre les Molenbeekois au travail, et surtout les jeunes, alors que 30% de la population communale a moins de 18 ans? Dans cette cellule du CPAS, on aide par exemple aux études. Il y a des lacunes liées à l'enseignement qui a été suivi probablement, ou des manquements en tout cas, qu'on essaye de récupérer en intervenant aussi dans des modules de remédiation scolaire, de remise à niveau, pour tout mettre en œuvre pour que ces jeunes réussissent en vue de pouvoir sortir du CPS et avoir une situation financière et sociale plus stable. Car aujourd'hui à Molenbeek, une naissance sur 3 a lieu dans un ménage sans revenu du travail. 9% des habitants ont même un revenu imposable nul, avec un impact évidemment sur les finances communales.